Les 73-51 tous de la part de 14 km 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33, le sud-ouest de France. Alors si pour chez certains c'est le calme plat, ici par contre c'est le bordel. Et tout à l'heure il y avait le commandant qui passait là. Là qui n'arrêtait pas son speech habituel, Hachi. Et là comme on voit, il y a une porteuse musicale. Maintenant, si on entend du bordel, ça veut dire aussi qu'il y a de la propague. Faut voir les bons côtés. On va voir un petit peu ailleurs ce qu'il y a. Ah, c'est vraiment localisé sur le 555, on dirait. Ouais, ils ont tous décidé de rester là. Ah ouais, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, là, un OM là sur le groupe, il y en a qui ont de la chance que ce soit calme de leur côté. Hachi trois coups. C'est difficile à entendre, mais derrière la porteuse musicale, on entend là d'autres, on entend des appels, je veux dire. On voit se mettre là que c'est très sporadique. Hein. Ouais, là il y a quelqu'un qui appelle derrière.
Puisque c'est comme ça là pour le moment, on va voir sur les fréquences plus basses. Ouais, chez moi, plus je descends en fréquence, plus j'ai du QRM. Hein. Ouais, quand la propagella, elle est partout. Ah ben là aussi, porteuse musicale. Et vu la fréquence, on est chez le radio amateur. Enfin, à moins que je me trompe. Non, je dois. Non, non, c'est pas possible, je me trompe. Je dois être juste à côté. Oh ouais, j'étais à côté des fréquences radio amateur. Oh ouais, non, bah. Du grand n'importe quoi, voilà. Hachi. Et 73 Enzo. 73 Julien et 73 les autres stations que j'ai vues là, un peu plus haut ou un peu plus bas dans les messages. Et on fait du smurf. N'importe quoi. Hachi. Ah ouais, quand j'arrive là, c'est énorme le QRM que j'ai. Allez, on remonte sur le 27 mégas. Ah, on dirait que la propague a baissé un petit peu là pour le moment. Bruno, je sais pas. Je pense que ça doit, à mon avis, ça doit venir du sud. Hein. Parce que là, tout à l'heure, il y avait El Commandant. Après, bon, il y a une porteuse musicale, ceci, cela, il y a... Ça, c'est... Puis en plus de ça, c'est très sporadique, puisque là, on est quasiment réduit à zéro. Ah, et ben, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un appel qui passe. Les 73 Julien, Fabrizio aussi, 73... 7 mégas, 285. Ok, c'est parti. Alors, Trouble. 285, il a dit, monsieur. Ok. Je suis dessus, Julien. Voilà. Alors, c'est la Chine qui passe. Ah ben. Eh oui, quand la propagella, elle est là. Hop. Good morning, il a dit. Hop, il doit être loin, lui. Oui, Julien, oui, j'ai bien vu, j'ai bien compris. Là, j'ai pas compris, par contre, là sur le 14 310, là d'où ça venait. Ah. America. Ok, allez, on remonte sur le 27 mégas. Non, ça s'est un peu calmé de ce côté-ci. Bon, ok, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, c'est pas calme partout, loin de là. Hachi. Alors tout à l'heure, il y a eu.
Le premier coup que j'ai prévenu là sur le groupe, il y a eu l'île de la Réunion. Après, c'est parti sur l'Italie, les îles du côté de l'Italie, pour aller sur l'Espagne, El Comandante, et ainsi de suite. Après, là, en début de vidéo, on a entendu. Ah, ça remonte. Si j'ai bien compris, ça devrait être là. Nord-Américain, ok Julien. Bruno, attends, 7300. Attends, on va voir d'où ça vient. Ça parle français en tout cas. Là, ici. Ah, je suis en train de le perdre. S'il y a Noël qui s'appelle Jacques sur le groupe, c'est peut-être avec lui qu'il est en QSO. Pas évident de sortir là. Patrick, ok. Ah, il doit être en ville, visiblement. Mais où? Oui, je suis en direct, Bruno. Belle-Île est là? C'est où ça? Non, je suis en verticale, Bruno. Quelqu'un sait où est la ville Belle-Île est là? Vu l'accent, ça doit être dans le sud. Ouais, il y a du QRM, Bruno, je sais, oui. Break pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Sud-Ouest France. Break pour 14 km, 33-01, Sud-Ouest France. Ah, c'est pas grave. Ah, ça monte. Break pour le Sud-Ouest France, 14 km, 33-01. Ok, les 73-51 à vous, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Sud-Ouest France, pas très loin de Saint-Émilion. Le Maroc, les 73 à vous, le Maroc, là du sud-ouest France, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, pas très loin de la ville de Saint-Émilion. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas.
Jean-Pierre, saute sur le poste. Hachi, tu as le Maroc, là, du côté de Casablanca qui est en train de passer en ce moment même. Et 73, Franck. Ah, si QRM continue à monter comme ça, là je vais le perdre. Alors 570, on va revenir dessus pour voir. Oula. Break pour le Sud-Ouest France. 14h14 de. Ouais, c'est le Yazoo FT450 AT que j'ai. Sur cette version-là, je peux changer la couleur comme je veux là, de l'affichage. Eh oui, j'ai du QRM chez moi. Hachi. Ouais, c'est ça, Julien. Break pour 14 km 3301. Et ils sont mis, les watts. Hachi. Break pour 14 km 3301. Ah zut. Break pour 14 km 3301. Ça, c'est bon ça, la propaguée là, ça fait plaisir. Ah, revoyons un peu. Ah, j'ai les QRM qui... Là on l'entend plus, c'est dommage. Oui, break pour 14 km 3301, opérateur Rémi, Sud-Ouest France. Oui, Rémi, 14 km 3301.
73, Marcel. Ok, merci pour le retour de micro. Les 73-51 à vous, voilà, de la part, comme je disais à l'instant, de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, d'Andy 33 en QTH à côté de Saint-Émilion, la Gironde. Oui, affirmatif. Alors, de mon côté, je suis en train de faire une petite vidéo en direct en même temps là sur le groupe Facebook, la planète CB francophone. Hachi, là, il y a les EN qui sont en train de suivre en même temps là, via le direct, là, le QSO. Alors, de mon côté, c'est j'ai du QRM, donc je ne peux pas donner une radio de 5. Mais bon, c'est du 44 quand même. Hein, donc là, ça passe relativement bien quand même de mon côté. Hein. Oui, affirmatif, merci pour le retour. Les 73 à vous, donc là c'est assez bien passé. J'ai le QRM qui a l'air de monter de mon côté, donc je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps en QSO, enfin surtout là sur le direct. Car si c'est pour montrer du cracra, c'est pas comme ça qu'on arrive à redynamiser la radio. Hachi, profitez bien de la propague. Bon QSO à vous, merci, bye. Ouais, les 73, la station qui a lancé les 73 derrière. Hachi, anciennement, oui, affirmatif, anciennement 14, c'était quoi déjà? 14 ODR 002. Et depuis 14 Kilomac 3301 via un super ON qui est sur le forum La Planète CB francophone. Merci. Ben justement, viens nous voir du côté de Saint-Émilion et tu verras qu'après tu deviendras comme nous un très grand bavard. Hachi trois coups. Les 73 renouvelés, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de contacts DX, surtout que la propague est bien là. En début d'après-midi, il y avait la réunion qui passait, après c'est passé sur l'Italie, là ça tourne pas mal un peu dans tous les sens. Il y a eu l'Amérique du Nord qui est passée aussi tout à l'heure. Là c'est le bon jour, profitez-en bien, merci à vous tous, à toute l'équipe, et merci à toi, bye bye. Ok, les 73 à Rudy également retournés. Merci beaucoup, bye bye. Ciao, Rémi, ciao. Ciao. Les 73. Oui, bonjour, Laurent. Les 73 à vous, c'est 73 Rémi, voilà. Ah, mais je vous ai écouté, c'est pour ça, je ne les ai pas reconnus. C'est pas la station Rudy, ça, non, c'est pas Rudy là, qui parle. Non, là, c'est John, John, hein, Juliette, qui a roté le nom, John. On fait partie du même groupe de radio, on fait beaucoup d'activités en commun là, on fait beaucoup d'activités en commun avec les 73 à tous, profitez-en, la propagée là, astiquez les antennes. Voilà, c'est pas l'indicatif pour les lives, s'il vous plaît, c'est notamment gratuit, et Fabrice, tu es seul? Ok, tu es seul, ouais, moi c'est 14 Tango Charlie 033, opérateur Thierry, région Libourne, je suis pas loin de chez Dundee, bon,
y est, ça montait bien haut, là. J'ai dit, ouh, il y en a un qui est pas loin. C'est pour ça que... voilà. Et Dandy, enfin, je vais pas t'appeler Dandy, Rémi, l'autre jour, t'as pas parlé à un mec que t'avais, tu l'as pas dit, t'avais beaucoup de QRM, tu comprenais pas, sur la AM, sur le 19. Ah, quelqu'un a une porteuse derrière. Si, je me souviens de ça. Oui, parce que c'est vrai que quand la propague est pas là, moi je reste pas en supérieur. Je suis forcément, je redescends forcément systématiquement sur les 40 canaux. Ouais, je me souviens de ça. Ouais, mais c'était moi, hein, voilà. Parce que j'ai essayé un poste, ouais, mais la porteuse, je sais qui c'est, je te dirai qui c'est son nom, je vais te donner son adresse. Voilà, c'est pas grave, c'est un cherche-merde à la radio. Attends, je vais passer en QRT là, parce que là en plus là, je suis en train de faire pas mal de choses. Ok, reçu Eric. Thierry, pardon. Je vais laisser les stations là faire leur QSO là derrière, lancer les appels, ils sont en pleine expédition. Les 73 à tous, et puis ce soir je pense pouvoir être sauf empêchement sur le QSO, sur le canal 27. Merci à tous, bye. Ok, allez, bye. J'étais au pro hier soir. Ouais, ok, je verrai ça après, je couperai sur la vidéo après. Ok. Voilà, ils sont en cuisseau, enfin. Ils ont des appels, on va les laisser parler. Ok, allez, amusez-vous bien, mon BX, les gars, et à plus tard. Contact à la première sécurité, ici 14 SDX, séparation, Papa Echo, 324, communication, vous avez contact? Bon, alors, voyons ça. Après cette petite parenthèse, j'aime pas ça continuer un QSO quand il y en a d'autres qui sont déjà installés sur le canal. Ça le fait pas, quoi. C'est mal poli. Quoi. Alors, Hachi. Non. J'ai le QRM qui a monté un peu par rapport à tout à l'heure. Ah, on n'entend pas bien. Mais dans le très lointain, je crois qu'il y a encore une porteuse musicale. Ouais, exact. Si, bien sûr que j'étais là dans les années 80 pour avec la propag. Puisque... Attends. Voilà, je vais passer... je vais baisser le son. Puisque avec mon premier gros multimode, c'est-à-dire un Pacific 3 en 1983, j'avais fait le Liban. Alors à l'époque, j'étais sur Orléans, d'un fouet de jeunes travailleurs, et côté installation aérien, alors j'avais une antenne, une Tagra noire torsadée, de visser sur une valise en alu qui, elle, était posée sur le rebord d'une fenêtre, branchée à un radiateur en fonte. Hachi trois coups, et j'ai fait le Liban comme ça, donc la propague de ce moment-là, je l'ai bien connue, il n'y a pas de problème. Ok Chris, les 73 retournés au Québec. Ah, il y a à nouveau une porteuse musicale dans le lointain. Alors, voyons. Alors, le Maroc, il est plus là. Ça a l'air de retomber un peu là. Bon bah c'est tout bon tout ça. Ouais, on a fait quelques bons contacts. C'est pas le Yasu FT450D que j'ai, mais c'est le AT. C'est la version antérieure. Et cette version antérieure me permet de pouvoir par exemple changer la couleur de l'affichage. Je peux mettre toutes les couleurs que je veux, n'importe quelle couleur. Le D, je suis pas sûr qu'on puisse le faire encore.
Oui, Fredo, hachis trois coups. J'ai été surpris sur le coup. Là, j'ai eu une seconde où je ne savais plus quoi dire. Ah, Bruno, oui, ça passait bien à ce moment-là. Mais bon, de toute façon, c'est par cycle, hein. Puisque là, ces dernières années, on a eu quand même là tous les jours le Québec, hein. Que ça soit je me souviens, ces dernières années, là, il y avait le matin en débauchant, j'avais le Québec en fréquence. L'après-midi, en repartant au pro, j'avais toujours le Québec en fréquence. C'était super. Mais bon, il faut attendre que le cycle remonte comme il faut, et puis voilà. Ce qui permet en attendant de bien préparer sa station et tout, ça, tac. Surtout profiter des QSO locaux. Je baisse un peu parce qu'il y a de la porteuse musicale qu'il y a derrière. Voilà, et puis surtout profiter des QSO locaux. Et tiens, pour les nouvelles résolutions, pourquoi ne pas redescendre systématiquement sur les 40 canaux pour les QSO locaux? Après tout, il a toujours été ainsi, le DX sur les fréquences, les canaux supérieurs, le local sur les 40 canaux. Ça se fait très bien dans les autres pays, comme au Québec d'ailleurs. Ils sont surpris de nous voir faire des QSO locaux sur les supérieurs. ils sont étonnés. Et c'est vrai qu'il y a de quoi être étonné, puisque c'est à la base, hein, les 40 canaux, c'est vraiment dédié au local, et peu importe le mode. Donc, de toute façon, pour ma part, quand la propague n'est pas là, eh bien, je suis forcément sur les 40 canaux, comme on a pu l'entendre tout à l'heure là sur le direct. Hein. Voilà, avec une station locale qui justement faisait des essais là sur le 19. Avec 500 milliwatts, oui, à l'époque, oui, c'est sûr, oui. Ben, quand le cycle de la propague est au sommet, c'est sûr que ça passe bien. Hein. Allez, on va arrêter là le direct. Je crois qu'on a fait une belle petite démonstration là, de la propague. Et encore de la petite propague assez sporadique, mais bon, bien présente quand même. Dommage que ce soit pas égal partout, mais bon, on va dire que c'est comme la météo, hein. Il y a des endroits où c'est beau, d'autres moins. La propague, hein, on peut la comparer à ça, même s'il n'y a aucun lien entre les deux. Ouais, c'est vrai, Jérôme, difficile d'émettre sur les 40 canaux quand il y a du QRM. Eh bien, faut pas hésiter à filtrer. Hein. C'est ça le truc. Hein. Faut pas hésiter à filtrer. Monter au-dessus des 27 900, de toute façon, je dirais que chacun voit midi à sa porte. Et j'ai pas à dire quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est un petit peu dommage, parce que pour le coup, ça pénalise les nouveaux ou anciens qui reviennent en fréquence, qui ne vont pas forcément investir d'entrée dans du gros matériel, plus dans du petit, avant de vraiment se lancer s'ils s'en sentent l'envie par la suite, quoi. Et c'est vrai que je vois sur les messages à droite, à gauche, des gens dire il n'y a plus personne. Ben si, seulement ben tout ce monde n'est pas au bon endroit, si on peut dire ainsi, pour du local. Ok, allez. Ouais, voilà, Bruno. Ouais, je vais arrêter le direct là. Les 73-51 tous, en plus là, voyons un peu. Ok, donc là il est entre, ouais, 14h50, 14h55. La propague est redescendue un peu pour ce moment-là, pour l'instant, et je bafouille. Elle remontera tout à l'heure, ou un prochain coup. Allez les 73-51 tous, et bon QSO pour ce soir sur le canal 27. N'hésitez pas à prendre le micro, à lancer des appels. Ne restez pas seulement en écoute derrière. Hachi. Merci, 73, bonne année, meilleurs vœux à tous. Bye.